Salut la famille. Ça dit, il y a certains jeunes ici dehors. Vous me faites rire et en même temps, vous me donnez la honte. Oui, vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, j'ai présenté un petit de 25 ans qui a ouvert une structure du côté de Bafoussam, non? Vous vous souvenez bien, non? Est-ce que vous savez, c'est-à-dire que les gars viennent chercher à saboter l'entreprise en commentaire sur la publicité que j'ai faite, sur la vidéo que j'ai faite sur ma page, jusqu'à venir même eBay m'écrire, me demander, Franco, est-ce que tu trouves que c'est normal de présenter une entreprise qui coûte depuis que le budget est presque 5 millions, 10 millions, et dire que le DG de l'entreprise là a 25 ans. Vous êtes normal? Est-ce que quand vous me posez ce genre de questions, vous réfléchissez, vous avez tous vos sens. Vous pensez que moi, j'ai ouvert mon studio photo, mon premier studio photo de soi. À quel âge? J'avais 24 ans quand j'ouvrais mon studio, mon premier studio photo de soi. J'avais 24 ans. Quand je vous dis que l'enfant là n'a pas eu la chance de faire les grandes études, vous dites que la famille, sa famille, elle l'a soutenu, machin s'est monté. Quand j'ouvrais mon premier studio photo de soi là, ma famille m'avait aussi soutenu, comme vous dites là. Mon studio d'Ngousso, quand n'importe qui arrive dans mon studio d'Ngousso que vous connaissez, que j'ai présenté dernièrement là, mon studio d'Ngousso, vous connaissez, vous pouvez imaginer combien de millions j'ai investi là-bas. Vous prenez un studio, on te dit là-haut que la location peut-être c'est 200 000 et que tu dois verser 12 mois, 1 an. Donc c'est que tu comptes plus de 2 millions comme ça, tu donnes seulement au bailleur qui n'est pas dans rien avant d'investir et tout ça. C'est la sorcellerie aussi. C'est-à-dire que quand vous faites vos business, quand vous travaillez, beaucoup de jeunes ici, vous n'avancez pas. Pourquoi? Vous travaillez un peu, dès que vous avez un petit 10 000 par jour ou 5 000, votre rêve c'est d'aller boire seulement dans les boîtes de nuit, boire dans les grands snack bars, chercher les très belles femmes, les femmes qui ne sont pas à votre niveau. Pendant que ceux-là, dès qu'ils travaillent 10 000, ils dépensent 1 000 francs, ils économisent 9 000. Ils avancent, vous les traitez de sorciers. Il faut vous prendre un exemple. Il y a un gars ici, Elekjuan. Il me rappelle quand j'ai eu le bac, je suis arrivé ici à Yaoundé, c'était un peu dur. Je jonglais avant de continuer mes études. Je vendais les CD dans les bars. Je me baladais avec les CD dans les bars pour vendre. Le jeune là mettait il mettait les ongles, machin, truc. Aujourd'hui, je crois qu'il a 29 ans, entre 29 ans, 30 ans. Il mettait aussi les ongles comme ça là, au carrefour, dans la brouette. Le gars là a 4 boutiques, je lui ai coulé 2 dalles. Vous comprenez? Lui-même, il n'a pas trop fréquenté. Parce qu'il a fait, il est peut-être à 10 ans de son service là. Il a 4 boutiques, il a formé les gens, il ne fait même pas la coiffure. Lui pose seulement les ongles, il pose les cils, il fait les manucures, il nettoie les orteils. Il est pro. Il faut aller voir les grandes dames qui viennent garer des Prado au marché, venir s'asseoir au milieu du marché. À l'époque, ils faisaient encore dans la brode, même pas comme il est dans la boutique maintenant. Vous connaissez les business ici, Dieu qui donne l'argent. Vous voyez les business des gens que vous négligez, vous parlez n'importe comment, vous connaissez comment ça donne l'argent. Les enfants se battent comme ça, dit que le petit là, c'est un petit qu'on doit encourager. Et moi, il doit voyager pour aller présenter sa structure à Bafoussam. Mais vous parlez même de quoi? Point d'interro, gaffe. J'ai le plaisir de vous présenter l'entreprise citoyenne de Mana House. De Mana House, c'est son institut de beauté et d'esthétique professionnelle, Mana Shop and Beauty, avec pour service coiffure mix, onglerie, hammam, make-up, prise en charge des mariés, vente des produits cosmétiques, notamment les produits Karimo, formation, service à domicile. De Mana House, c'est également Mana Sono pour la sonorisation et l'animation de tous vos événements. De Mana House est situé à Bafoussam Djeleng 5, à côté du Saint James. Contact. De Mana House, nous prenons soin de vous. Est-ce que vous racontez que la famille a soutenu l'enfant là, à 25 ans, a pris l'argent? Il a travaillé pour quelqu'un pendant combien d'années? Il a fait ses économies. Il vient d'ouvrir sa structure. Ça fait 1 an comme il a ouvert. Il forme également les gens comme il a été formé. Vous refusez d'avancer, vous passez le temps à faire les châtés, boire le vin, montrer que non, c'est moi. Aller sur Facebook, verser l'argent sur la table, compter, dire que c'est taper la main sur votre poitrine, boire les gros, les champagnes, les whisky, les grands whisky, montrer que non, la vie vous appartient.
Pendant que les gars sont dans leur mouchon, silence, silence, dans le noir, ils avancent. De Mana House, selon la structure des présentés, de Mana House, c'est à Djelinseng là, à Bafoussam. C'est la toute première structure à Bafoussam. Qui a même le courage de me supplier que Franco, pardon, parle un peu de ma structure à Bafoussam, toutes les structures à Bafoussam. Aucune structure m'a même jamais contacté que gars. Voilà. Voilà un enfant qui a pour le cœur, qui a le courage de contacter Franco, que Franco, pardon, parle de moi. Parce qu'on ne va pas l'encourager. Il a pris l'argent à 25 ans. Vous pensez 25 ans, c'est il est majeur. 25 ans. Vous connaissez les quinqueries que les gars ont ici là, à Yaoundé. À 22 ans, 23 ans, vous êtes venu raconter la sorcellerie. Le gars, lui, il est arrivé en 6e, l'école, il a abandonné les études. Il a commencé à porter. Il y a un gars, voilà, il y a aussi un autre ici là, à soi. Il vend les vêtements. Il vend les habits et tout le reste là. Il a le grand shopping. Moi, quand je me baladais avec les cieux de l'ogal là, avec les billes, il arrêtait les bijoux en main comme ça, dans le plastique, il se baladait, on se baladait ensemble. Vous êtes venu aussi dire aujourd'hui qu'il est sorcier, parce qu'il a fait ses économies. Vous connaissez combien de personnes on a soutenu dans le... Il y a les familles, il y a les gars ici, qu'on a même ouvert les shopping là comme ça, de 20 millions, 10 millions, on leur donné. Ils ont nourri les femmes avec eux, ça c'est fini, ils ont chuté, ils ont même rentré au village. Vous connaissez combien de gars, la famille les a soutenus comme ça, ils ont chuté. Même si on avait soutenu le gars là, supposons même qu'on a soutenu le gars là. De Mana House là, supposons qu'on l'a même soutenu. Hein? On l'a soutenu, oui. Ok. On l'a soutenu, il a réussi, non? Il a réussi, non? Même si on l'a soutenu, il a réussi, on va l'encourager, non? On a soutenu combien de personnes comme ça, ils ont échoué. Arrêtez la sorcellerie. Mettez-vous au travail. Sortez des bas et vous travaillez, vous avancez. Venez faire la jalousie là. S'abonnez-vous. J'ai le plaisir de vous présenter l'entreprise citoyenne de Mana House. De Mana House, c'est son institut de beauté et d'esthétique professionnelle, Mana Shop and Beauty, avec pour service coiffure mix, onglerie, hammam, make-up, prise en charge des mariés, vente des produits cosmétiques, notamment les produits Carimo, formation, service à domicile. De Mana House, c'est également Mana Sono pour la sonorisation et l'animation de tous vos événements. De Mana House est situé à Bafoussam Djelinseng, à côté du Saint James. Contact. De Mana House, nous prenons soin de vous. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.